Salut à tous, et nous voilà pour le 23e épisode de Project Zero et la princesse des eaux noires. Oui. Alors là, je suppose que ça se passe dans la maison, vu qu'on a empêché les esprits d'entrer. Donc en fait, Ren, il sert qu'à ça. Il sert soit à retrouver la fille, soit à empêcher les esprits à rentrer à la maison. Mais sinon, elle a pas d'histoire. Je veux dire, c'est lui qui a une histoire plus intéressante, parce qu'on voudrait savoir ce qui se passe dans son passé, son rêve. Et en fait, compte jusqu'à la fin, on ne sait pas. Yuri, Miu, Miku, Izoa, Yuri. Donc de retourner voir ses caméras de surveillance, super. Putain, il pourrait plutôt tout ce qu'ils allaient faire en une nuit, mais non, faut qu'il se fasse ses caméras de surveillance. J'espère que le micro a enregistré ça. Non, c'est vrai. Je veux des preuves. Non, mais c'est vrai, quoi, l'autre. Elles sont tombées dans un sommeil profond. Profond, comme ça, par magie. Deux ex machina. Et d'un coup, il doit tout surveiller, bien sûr. Puis bien sûr, quand il va lui faire un truc. Ah non, et tous les autres ils sont partis. Ah là. Je vais aller toutes les rechercher. LOL. J'ai que ça à foutre. LOL. On fait un filtre rose. LOL. Tu sais, il faudrait faire comme dans les trucs d'amour. Il manquerait plus que des paillettes tout autour avec la musique. Il reste quelques heures avant le lever du soleil. Quand c'est rouge comme ça, c'est qu'il est levé. Hein. J'espère que le dernier chapitre, ça se passe dans le jour. Ce qui serait plus intéressant. Ah, tu rêves. Je crois que c'est la nuit la plus longue que j'ai jamais vue. Vas-y, faites des poses sexy comme si tout le monde dormait comme ça. Je marque un point. Ouais, elle est normalement juste complètement affalée sur le coussin. Je peux même pas regarder YouTube. C'est à l'heure. Et là, l'autre qui dit hop hop hop, t'as pris toutes mes nanas qui devaient faire des piliers là, je vais récupérer mon dieu. Et oh. Oh, je vois la fin comme un truc. C'est le seul garçon. Ça va se finir, il va devoir épouser l'autre et c'est lui qui va devenir le pilier ultime. Épouser l'autre? Bah l'autre fille là. Qui attend l'homme de sa vie. Je te parie combien? Je te parie que l'histoire ça va se finir, c'est lui qui va devoir se sacrifier. Pour s'en sortir. Ouais, je dis ça. Encore. Mais lui, il trouve que c'est redondant. Ouais, encore. Oh, mais c'est... Oui. C'est pas là que sont les caméras de surveillance. Auquel cas, ce serait bizarre. Kitaka. Ah mais au bout, ils ont la sympathie de prendre les portes. Bon là c'est déjà deux mecs, je veux dire ils ont sorti la femelle hein, qui dormait hein, c'est pour ça. C'est pas toi qu'on veut, c'est les meufs qui sont dedans. Tu veux les tuer hein? Bah fais gaffe, faut les tuer là, ils sont, ils partent hein, ils vont direct. Non c'est à moi qu'ils en prennent. Ouais c'est juste... Repousser les fantômes, mais c'est juste un survival, quoi. T'as des siamois là, quand même. Non, le plus chiant, c'est les prêtresses et les bonhommes. Mais... Ils font pas grand chose, hein. D'accord, c'est vrai. En face qui est quand même nombreux là. Là il y a plein de filles hein. Ouais pas besoin de... Vas-y. Tokinatsu nakananana ta 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 ta. Non mais tu vois pas qu'il écrit toilette?
Ah d'accord, ça se trouve sous l'escalier. C'est que la carte elle indique qu'il y a un escalier. Tu vois? Oui, mais il y avait la plaque qui disait WC. Oh là, il y a pas encore plein d'esprits. Oh non! Ah, j'étais avec celle qui consomme de l'énergie. C'est pas la vie qu'on était parti chercher? Non, celle qu'on devait aller chercher, elle avait une petite robe blanche. Ah, juste une fille. Ça, c'est une des filles qui s'est suicidée. Avec la fille qu'on était parti chercher. Voilà. Là non plus, j'ai pas très bien trouvé l'histoire. Ils ont juste utilisé le mot suicide, mais ils ont ils ont jamais expliqué pourquoi ils ont voulu se suicider. J'adore quand la fonction qui ne fonctionne pas, qui fonctionne seulement quand il y a pour le boss qui est censé dur. Pour le boss difficile, je crois qu'il y en a qu'un seul que j'ai pas réussi à faire. Mais pour les fantômes normaux, je trouve que le boss. Putain, mais t'es toujours pas morte, salope. C'est vrai que la mariée, elle a pas été spécialement dure. Vas-y, attaque-la, là, attends pas! C'est la caméra de vise. J'ai la vise automatique qui marche pas! Ah, c'est qu'elle était morte. Ok, ça. Ah, ça peut-être expliquer? Non. Regard fatal! On a touché, t'as gagné les points, regard fatal! Mais je crois qu'on peut faire ça avec tous les fantômes, c'est juste que j'ai jamais fait. Oui, bah on va y aller. Je m'interrompais pas toutes les deux secondes. Allez, bouge-toi, remets ton petit. Il y a au moins deux appareils, ils peuvent pas s'en servir. Oh, me dis pas que c'est faire comme nous de ramasser des documents. Là, on pratique les ondes spectrales, on entend parler des enfants de la mort. Ils sont appelés enfants de l'ombre ou enfants de l'autre monde, des gens écrits. Autrefois, un homme aimait une fille qui vivait dans un petit village disparu. Chaque jour, la fille allait à l'hôtel de la montagne pour prier pour son retour, mais les années passèrent et l'homme ne revint jamais. C'est un connard, quoi. 10 ans passèrent et la fille perdit l'esprit. Quand elle continua à mener sa vie en parlant à un homme qui n'était pas là. Un jour, les villageois s'aperçurent qu'elle attendait un enfant. Elle dit que l'homme qui avait disparu était le père. Ignorant les rumeurs du village sur l'identité du père, toute seule, la jeune fille à qui elle donnait naissance avait les yeux de l'homme disparu. En ce qui concerne l'homme, c'était un étranger tombé par hasard sur le village. Parce qu'il avait été tué par les villageois, disons plutôt. Oh, d'accord. Quand l'enfant après, elle demande au villageois : pourquoi avez-vous tué mon père ? Bah, J'adore ce jeu, ces systèmes qui sont. Tu l'as touché, hein. Actif, passif. Non, crois-moi, je parle qu'elle est sur le côté. Non, mais. Danse pour moi. Les gens, ils ont un commissaire qui a du pouvoir. Pourquoi j'ai pas pu faire les 5 coups? Ah, pourquoi je peux plus en faire autant maintenant? Je sais pas. Ah, 4! Ah bah quand même! Vérifier les caméras de surveillance. Alors, d'accord, ok. On sait comment sont apparus les enfants de l'ombre. Alors, en fait, le descendant des enfants de l'ombre, c'est un fantôme. Bah alors, l'homme qu'elle attend, l'étranger, depuis tellement d'années, elle aussi, elle l'aura jamais. Non, mais il sait de quoi il s'agit. Avant de le lire. Et hop, tu tires, tu l'as fait tomber. Pff
Et tu remontes d'un centimètre et c'est ta grand ton bonheur. Hein? L'eau a été défaite pendant des siècles. L'eau du lac défend enveloppe la montagne de Bombe. Pour les habitants, l'eau est source de l'âme et c'est là que l'âme retourne à la mort. C'est grand c'est propagé. C'est probablement répandu car l'eau est liée à tout. Tout ce que oui, les gens ont peur de la nature, la vénèrent et vivent en son sein. Peut-être les véritables natures des habitants de la région. Ouais, c'est des gros gonds suivis de trouillards, quoi. On sait où il y a de lire. Il y a un problème avec les caméras de... C'est ok, parti? Ouais. Je parlais qu'il dirait quelque chose, mais il y a un problème avec une caméra, j'ai parlé. Ouais, ça va. Ouais, faudrait me t'aider vérifier. Le soleil va bientôt se lever. Wouh! Enfin, depuis le temps qu'on attend. Je crois que c'est ça qu'il vous dit en fait. C'est. Le soleil a plusieurs heures de se lever. C'est pour ça que la lumière c'est bizarre. Bah ben ça j'avais compris hein. En fait c'est des... C'est bizarre mais je m'y attendais. Oh, c'était cosy là. On a même une surprise, vous savez. Là, c'est le bon épisode pour ressortir les monstres de base. Autant qu'on utilise leur modèle à fond. Un autre truc à lancer là. C'est pour ça que les mots je ne sais pas faire, mais ramener à la terre. Toucher, mais ce qui m'a vraiment fait aussi, c'est quelque chose de signifiant. Parfois on disait car parfois on t'a sauté pour faire tourner la... toute la différence. C'était une toute petite chose, mais je l'avais jamais là. Quelques sens superficiels. Qui m'a fait rester, qui a fait que je me suis passé cité après autant d'années, c'est une tasse de thé. Vous y croyez-vous? On trouve partout dans le pays. L'eau représente la vie, la mort, la nénia. Les gens revenaient dans la montagne pour que leur âme retourne vers la mère qui leur avait donné. Pour mourir convenablement, les croyants voulaient que mourir dans l'eau de la montagne soit convenable. Ça démontre une forte intérêt pour la nature. Ça, on a compris, c'est ce que vous nous avez répété il n'y a même pas 10 minutes. Aller sous des trucs morbides avant de dormir, tu m'étonnes qu'elles font des cauchemars, quoi. Je pense que c'est les fantômes qui les déposent, hein. J'ai vu quand même des fantômes. Elles font des cauchemars avec ces livres de merde. Vu le fantôme qui est en dessous, ouais.
Je me sens absolue. Non mais faut arrêter là. Je me sens absolue. Bah absolument méchant quoi. Là j'ai des vocabulaires qui sont bizarres des fois. Oh putain les chargements là pour aller 3 pas, 3 chargements. 3 chargements hein pour le bâtiment qui est quand même tout petit. Attends, il est là l'autre. Oh putain, il va. Ah bah y'a. Tiens, regarde qui c'est qu'elle a là. Ding 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 ding. C'est quelle pièce il y a eu le. La pièce avec le jardin. Tu vois? Non, je peux pas être sûr, je regarde la carte. Regarde les couloirs. Pourquoi il nous répète qu'on a déjà lu? Elle était au couloir juste où il y a les deux filles. Ouais. Il nous répète qu'on a déjà lu. Salut, Seb, je crois qu'il faut. Ah bah, elle a pas de bol, aussitôt arrivé, aussitôt crevé quoi. Regarde, c'était le bâton qui fait. D'accord. Je surveille tout bébé en même temps. Non mais arrête de bouger salope. Vas-y, vais là. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais j'ai attendu que mon truc soit rechargé, putain. Excuse-moi. La haine contre les fantômes. Mais t'as vu ce qu'elle me fait à chaque fois? Moi je te dis, c'est tellement chier, tu prends un truc plus puissant. Non, mais c'est. À chaque fois. Tu veux que je fasse quoi contre mais ça? Mais attends, mais j'ai rien dit contre toi, le oh là là, c'était contre le fantôme, hein. Parce que là, je vais pas dire, le combat, il m'a l'air assez... débile. Et là, tu vois, elle se téléportait. Et là, je peux pas le faire, parce que la caméra va pas zoomer dessus. Là, elle se tépait. Là, vas-y. Mais j'ai tiré en plus. Non, j'ai photographié. Alors, t'as TP. Je ne peux pas ouvrir le menu. Hein. Je peux pas ouvrir le menu. Alors que non, tu peux l'ouvrir quand t'as la caméra, je pouvais pas l'ouvrir. Non, mais prends-en un autre. Je commence à avoir chaud. C'est connerie. C'est mal, vas-y. J'ai peur que les monstres vont pas devenir de plus en plus durs. Ouais, je peux faire ça. Outre là, il lui reste plus beaucoup de vie. Putain, faire le toucher d'âne, c'est vachement difficile. Hein. Non, c'était elle, hein. Quoi? Oui, oui. Bah, bah, remarque, vas-y, va voir. Ouais, putain, les surveillants, ça va bien.
Ah putain! C'est la grande. Tu peux en chier, tiens alors. Mais putain, mais merde, mais lâchez-moi, vous me faites chier aujourd'hui. C'est là. C'est là. La question c'est est-ce que dans quelle chambre elle est allée? Bah, elle descendait. Ouais. C'est là peut-être. Ok. Ouais. C'était en fait juste pour dire va chercher la pierre. La récompense vous attend. Oh putain. Chapitre long, ça fait déjà 17 minutes. Non, 22. Oh. Attendez, oh! C'est vraiment mon truc, mais super bas. Tu vois la taille de la pièce, sérieux? La somme ou bien? Bah non, les pièces sont plus petites. Bah non, tu peux pas aller dans la salle où il y a les WC là. Vas-y, là, du coup. Ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, le chapitre, c'est un battle survivor, quoi. Ah oui, c'est ça. Tu peux même pas avoir peur parce que tu sais que les fantômes vont arriver en masse te faire chier. Même le chapitre, c'était repoussé. Oui, mais t'as une façon de faire. Ouais, surtout, c'est super cheap la façon de faire place les fantômes qui sont téléportés sur toi. Et l'autre qui, tu peux pas contrôler. Oh non mais faire qu'ils apparaissent au moment où... Là sur les téléportés quand je te dis ou quoi. Tout le monde il sert plus rien maintenant. Ils téléportent dès que je m'en sers. Utiliser pour aller plus vite les autres cartes. Je me demande s'ils ont joué leur jeu, les développeurs. Que moi j'aurais je serais un testeur, j'aurais testé le jeu. Il y a des gros problèmes là. J'aurais dit mais attendez votre pièce vous la faites ailleurs parce que là deux dans une petite pièce.
Mais c'est jamais arrêté, ils se sont dit, ah bah ils sont réussis à se démerder dans d'autres pièces, pourquoi pas celle-là? Mais là, les autres pièces, elles n'ont pas dû exister. Ils ont juste dû se dire, ah, on va mettre une pierre miroitante, et puis... Ah mais c'est pas qu'un sujet te fait pierre d'ogé. Tu pourrais pas y arriver sinon. Non mais... T'imagines les contrôles à la force en plus. Ouais, c'est ça. D'après toi, pourquoi je veux pas prendre la manette? Tu vois, stupide. Attends, en plus tu les vises là, c'est ça que je comprends pas. Non, c'est juste que tu peux pas zoomer sur cette tête. Que ce soit la boîte, mais la boîte te zoome constamment de haut. On voit l'habilité d'aller sur le menu. Si t'as un S plus, alors là ça veut dire qu'il pardonne beaucoup, hein. Bah encore heureux. Non mais ça veut dire que au lieu de régler la difficulté de jeu, ils ont été tolérants dans les points et dans le fait et ils ont donné plein d'objets au lieu de réussir à régler le gameplay du jeu. Oui, de faire un gameplay correct. Non mais tu veux là. Je suis en une PV là. Je peux pas viser cette tête. Il me one drat. Connard, en plus j'avais plus de PV mais je pouvais même pas savoir ça. Non, je vais revenir avec ce chapitre. Ah, mais moi j'aurais voulu le lire. C'était un truc important depuis tout à l'heure, on se plaint d'avoir l'histoire. Oui, bah j'ai pu le présenter à ce moment. Là, je suis. La chargement, c'était à la fin. Putain, mais Valentin, t'aurais pu laisser lire le texte. Non. Ah non, c'était. Changer couloir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, son espoir? Je suis occupé. C'était quoi ça? Un fantôme à l'accueil. Je sais pas ce qu'il faut que j'aille voir. Bah ouais. Fais gaffe, je sais que tu vas faire attaquer direct. Je sais pas si son trip c'est de faire peur. Ah, mon poteau. Il est bien qu'ils se sont modélés une autre fois quand même. Ouais, ils sont trop tristes. Tout beau. Mais bon, la botte, c'est pas la grande. Tu grandes beaucoup, mec. T'as la moitié que tu veux là. J'ai presque un quart. Il y a un pattern très très simple. En comparaison des deux connards de boîte,
truc. On dirait qu'il se bat contre les cheveux noirs qui tu vois, qui se bat pour pas t'attaquer. Je crois qu'il veut te causer en fait. Non, c'est qu'est-ce qu'il veut faire. Bon, rappelez cette fonction. Oui, on s'en sert encore. Les bois noirs trouvés sur un des remplis de vue de mort. La poitrine s'est placée dans ses regards pour protéger évidemment besoin. Mais ça, on sait. Regarde, va qu'à la fin. Les prêtresses, les prêtresses persistent à la mort, même si. Non, on laisse tomber, c'est ce qu'on a lu 50 fois. Ah, ce garde. L'équilibre des combats est complètement ridicule. Non, mais appuie, ça sert à rien, il répète quand même. Non, c'est juste histoire d'être sûr que. Que tu l'as lu. Alors, mais on a fait une présentation merdique d'un sérieux, alors. Histoire d'être sûr, on va vous faire un chapitre où on répète tout. Bon, c'est. Je crois qu'on l'a lu une centaine de fois. Bon, la dernière à sauver, ça doit être la prof, la senpai, elle. Et ta copine. Oui. Couleur du haut. Oh oh. Qu'est-ce que tu vas attaquer? Là c'était le bureau. Hein. Bon attends. Ça c'est tout le monde, tout le combat. Mais là on va s'arrêter là. Hein. Bon bah. Bah tu, on s'arrête là pour l'épisode. Donc voilà, c'était le 23e épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir plu à Val. Pas du tout. Donc, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire ou de vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à bientôt. Bye. Bye.